Dernier test, ok. Hello, 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 hello. Juste un coucou. Levez la main si le son est bon. Levez la main si le son est bon. Un commentaire pour dire que le son est bon. Un commentaire, pardon, j'ai mal aux yeux. Le soleil, s'il vous plaît. Le soleil en angolais, le libre là qui est accablant. Un commentaire pour dire que le son est bon. S'il vous plaît, il fait chaud. Elle s'appelle la plus belle. On m'a répondu quand même ta mère. Je dis quand même ta mère. Si, et bonne manière, elle a d'abonné. La famille, s'il vous plaît. Je vois 6 personnes là. Est-ce que le son est bon? On va démarrer le live si quelqu'un arrive à dire que le son est bon. Je vois 7 personnes connectées. Est-ce que le son est bon? L'intitulé du live, c'est les familles de Guerpi. En face de la Sogatra. Maman Colette Rebouka, bonjour. Bonsoir. Comment tu vas? Dis-moi si le son est bon. Marcus Kamadi, le son est bon, frère. Voilà, il faut 2 personnes. Parce que parfois, nous tous avons les téléphones Android et chinois. Maman Colette, est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Marcus dit encore que le sanglier, le son est très bon. Merci. Edna dit le son est bon. Ok, il y a 2 personnes. Voilà. C'est bon. On va commencer le processus. Taguez les autres, partagez le live, s'il vous plaît. Taguez les autres. La force, c'est le partage, les commentaires. Voilà. Il y a le soleil. Il y a le soleil, il y a le soleil. Miss. Il y a le soleil. Chris Wilfried. Il dit le son, oui, oui, bon, ton oui, oui, là, je ne sais pas si c'est bon. Voilà. Chris Wilfried, là, tu dis oui, oui, bon. Ça veut dire que le son est bon, c'est ça, non? Ok. Alexa, Axel Stoning, américain que tu es, est-ce que le son est bon? Les familles sont là, hein, elles vont se présenter. Elles vont devoir nous édifier. Elles vont devoir nous édifier. Voilà. Mais pour commencer toujours, il faut au moins un numéro de téléphone que vous avez dedans. Parce qu'après, vous allez porter plein qu'on a pris votre image, vous voyez bien qu'on arrive. Ah. Bon. La doyenne va d'abord se présenter et elle va donner son numéro. Un numéro auquel, quand les gens veulent les joindre. Bonsoir, maman. Bonsoir. Ouais. Je m'appelle Manomba Germaine. Je réponds au numéro 077 64 79 73. Donc, ça, c'est un numéro auquel on peut joindre la plupart des familles qui sont ici. Oui, c'est ça? Oui. Voilà. Bon. Si on peut se présenter à tour de rôle, hein. Toi, tu te présentes à tes frères gabonais qui te suivent là. On je a déjà 37 personnes. Mes noms, Véronique, je suis gabonaise. Voilà. Tu résides ici? Je réside ici. C'est où je vivais avec mes frères et sœurs. Voilà. Ok, on va aller au fur et à mesure. Les gens peuvent se présenter. Moi, c'est Eba Mireille. Je vivais ici avec ma famille, mes enfants. Pour le moment, là, on est vraiment, on est dépassé. Papa Oligui, c'est vraiment, on est là, on ne dort pas, on dort dehors. Et les enfants, et les petits-fils, on est là dehors. Même pour se laver, on ne se lave pas. Même pour manger. On demande les gens les petits bouts de pain, par-ci, par-là. Et le gars, les genoux, on est là, on dort. On dort partout, chez les, à la mairie. Papa Olili, pitié. On fait juste le tour et puis après, on oui, va aller. Bonjour, je suis Gladys Poati. J'habitais sur les lieux. Je suis arrivée ici aujourd'hui, c'est presque 14 ans déjà. J'ai investi ici. J'avais ma chambre avec mes enfants, on était là. Et un matin, voilà, nous sommes à la belle étoile. Voilà, vous allez nous raconter l'histoire après. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Moi, je me présente M. Nike Niambala Aleti.
J'étais déguerpillé, ça me fait pratiquement 20 ans que je suis ici. J'ai trouvé, c'était les épaves. Le complexe, était, ça a été conçu devant moi. J'ai conçu ma maison, c'est ici où je vis avec mes 4 enfants. Et puis, mes 3 petits-fils, et je suis vraiment dessus. Du guerpillement de mon local, pas de mesures d'accompagnement. Et je fais le soutien moral des autorités. Monsieur le Président, vice-coteur de l'Indie, Sénéke Nirembala Alexis, je suis vraiment dessus, je ne sais pas quoi dire. Oui, monsieur la plus au soutien de ma grande sœur. Voilà. C'est tout ça pour tout raison. C'est tout. Voilà. Je me présente, PPPJ. Je vivais ici avec ma petite famille. J'ai 3 enfants à bas âge. On vivait là. Le père ne s'en occupe pas. Je suis là. Donc, tu es la mère ou le père? C'est moi qui suis le père et la mère, les deux, à la fois. Mais là, je ne sais pas où il faut aller. C'est compliqué pour moi. Je ne travaille pas. C'est vraiment compliqué pour moi. Je faisais ma demande au Bandit. Je suis venu là, ça fait déjà 25 ans. Mon petit-fils est né là, il est en 5e à Sainte-Marie. Je l'ai élevé là, nourri là, tout là. Aujourd'hui, je suis sans abri. Lundi, c'est l'école. Sainte-Marie, ici, là, c'est pas loin. Maintenant, il quitte à pied, il vient à pied. Mais là où on est sans abri, l'enfant va venir dormir. Vous allez voir, dans le petit, dans la vieille baraque que je dors en ce moment. Quand il pleut, je n'ai là où aller. Sans mari, sans travail, sans même niveau d'études. Comment je vais faire? Je vivais avec mes petits moyens. Ils sont de Lyon, on peut avoir eu Estelle. Moi, on est en ce moment, là, j'ai 50 000 à payer. Le 5, je n'ai rien. Là où je vivais, je faisais mes petits bricoles de gauche à droite. Je rentre à ma maison, je dors. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Rien du tout. Si papa Oligui ne fût que la maison, là où dormir, je peux continuer à chercher les bricoles. La maison est importante. Honte, quand tu es sans abri dans le Gabon, tu n'es rien. Tu es comme une pauvre. Tu n'as rien. Tu vas rentrer chez qui? Va voir là où je dors. Les enfants sont partout avec les voisins, mais moi-même, je ne peux pas aller là. Quelqu'un m'aide à garder la feuille ou aussi me garder. Non. La police trouve la solution. À nous, nous sommes là beaucoup, sans abri. Exactement. Qui peut nous raconter ce qui s'est passé exactement? Et montrer actuellement là où vous, vous dormez, qu'est-ce que vous faites, comment vous faites pour manger, comment vous faites pour manger. Voilà. Comme ça, vous allez nous raconter l'histoire. Voilà. Il faut me raconter, vous racontez. Maman parle. Ici, oui. C'était une piste à l'époque quand nous sommes arrivés ici. C'était une piste. C'était une piste. Au fur et à mesure, les mamans ont déblayé. Déblayé pour faire des petites maisons, des petites cabanes, des habitations. Aujourd'hui, que la mairie nous dit que nous sommes des squatters. Un matin, on voit les camions rentrer. On ne veut pas écouter beaucoup de gens à la fois, s'il vous plaît. Pardon, le bilan, c'est pas bon. Si tu veux prendre la parole, prends la parole. C'est pas qu'une autre personne en train d'expliquer, toi tu parles derrière encore. Et comment les gens qui veulent vous écouter vont vous écouter? Organisez-vous. Vas-y, maman. Ils viennent, un matin, on voit des camions rentrer. Ils viennent que non, c'est pour la route. Nous ne sommes pas contre pour le développement du pays. C'est comme ça. Ils sont venus pour... Marchons en bas ou là où vous dormez. Les limites, voilà, c'est ici où moi je vivais. Avec mes frères. Là. Oui, je vivais là où on a démoli. Il n'y a plus de maison là. Il n'y a plus de maison. Ouais. Je suis à la Belle Étoile, j'ai perdu même mes papiers, je n'ai plus rien. Voici, il y a que les cafés là. Comme vous voyez là, je mange debout. Voilà, ce sont des amis ou bien des copines, un peu de gauche à droite. C'est là où je vivais. C'est ici. Pour l'instant, on dort là, dans cette petite cabane là. Et avec des mamans. Il y a le monsieur en rouge là. On se sert. On se sert là. Ici. Avec les mamans, d'autres sont ici, d'autres sont à la plateforme. Quand il pleut, nous sommes à la Belle Étoile. Même là, je suis malade, j'ai l'opalu. Les mamans ont fait cotis. Elles ont cotisé pour m'acheter les médicaments depuis le lundi passé qu'on nous a cassé. Donc pendant toute la semaine, je suis malade. Voici les médicaments.
que les mamans ont payé. Je suis là. Le message que j'adresse à la première dame, maman Zita, aie pitié de tes petites soeurs et de tes mamans, regarde la situation. Nous sommes des Gabonaises. Nous sommes à la belle étoile, on va aller où? On vient nous enlever un matin comme ça avec des tractopelles. Nous allons aller où? Nous sommes fatigués. Nous avons besoin de toi, Diallo. C'est cool. On a pire. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Je suis même malade, maman Zita. Après qu'on nous ait mis dans la belle étoile, nous allons aller où? Aie pitié de tes mamans et tes petites soeurs, tes soeurs. C'est ici où nous dormons. Nous n'avons pas de soutien. On va venir passer ça aussi. Même ça aussi, on va venir nous enlever ici. Parce qu'ils disent que non, nous sommes des squatters. C'est le terrain de la mairie. On ne refuse pas de partir, mais quand même, si vous enlevez les gens, vous pouvez nous donner un endroit où on peut aller. On dort là. On y est même là. Elle, c'est comment? Voilà. Voilà, nous, là, donc, c'est là où vous avez stocké la plupart des vos matelas. Donc, quand la nuit arrive, d'autres mènent là. Voilà, nous sommes à la plateforme. Vous voyez, c'est là où les signes n'ont pas. C'est là. Vous là, nous, ça coule partout, mais on est obligé de se serrer là. Voilà. Que les moustiques nous bouffent pas. On en passe des gabosef. On va faire comment? Voilà la maison. La maison est en dire, on a passé. Voilà là où je dors. Les autres alors, ici, les autres un peu plus haut. Un gabonais. Où on dort? Voilà la maison où on dort. C'est ici, c'est là où nous dormons. C'était bien là. Fait. Mais c'était bien fait. Quand ils sont venus, ils ont cassé. Nous n'avons plus d'endroit où aller, maman Zita. Aie pitié. Aie pitié, nous, tu es une femme, tu es une mère. Regarde. Le problème, ce qu'il dit, c'est que oh non, nous sommes des squatters. La mairie nous reprend en nous disant que nous sommes des squatters. Nous n'avons pas de droit. Ils nous avaient donné un délai. Nous, on n'a pas reçu de délai. Nous, on savait ici là que c'était pour tracer la route. Et la route, ce n'était plus la route. Ils sont venus un matin. Il y avait des enfants à l'intérieur. Ils ont mis les tractopelles. Ils ont bousillé tout. Moi, je dis, je me retrouve sans papier. Je n'ai plus de papier. Je n'ai plus rien. Voilà. Je me retrouve avec voilà. Les sachets. Je viens debout. Là, voilà. Voici. Regardez, on avait un frère, un frère gabonais qui plantait sa banane, ils ont détruit. C'est la même banane là et le même. Mais il est malade, il est ingénieur à la SCG, mais dommage, il est tombé malade. Il a planté sa banane, ses citrons. Voilà son matelas. On a tout détruit. Voilà où il dort. Voilà. Les bananes. Même les bananes. Toutes ces bananes qu'il a plantées. Nous retournons à la terre. Voilà comment voilà, il a planté. La terre, il a planté. Tout. Voilà où il dort. Le matelas est là. Il dort en bas. Il ne reste que, il ne reste que le toilette. Son toilette qu'il avait laissé. C'est plus sa maison. C'est voilà. Là où il dort. Lui, il dort aussi. Voilà. Avec le matelas. Le matelas est là. C'est là. La nuit, il met son matelas. Voilà le matelas. Il dort aussi. C'est ça le matelas. Voilà son matelas. Il met moment, ça. Il dort avec ça. Il dort ça. Il en met bas là. Il n'a plus de chambre. Voilà, ils ont des trucs. La banane, là, c'est ici. La banane, c'est ce qu'il a planté. Voilà l'avocat. Ça a été abattu aussi. Mais le ministère de l'Agriculture. Ils sont où? Alors, voilà, c'est le moment de tuer ne plus que l'avocat qui produit. L'avocat qui produit, hein. Voilà nos matelas. Alors que l'avocat là, ça devait produire et il devait gagner. Il devait gagner. Mais aujourd'hui. Donc, ça sont les matelas. Les matelas. Oui, donc, là, la journée, vous devez laisser. Accepter que non, mais si c'est pour la route, oui, on ne peut pas refuser pour le développement du pays. Ce que Papa Oligui fait, c'est bien, c'est ce que nous on veut. Mais une semaine après, ce n'est plus la route, c'est maintenant les engins qu'on voit avec les tractopelles pour venir nous casser les maisons. Que nous sommes aujourd'hui à la belle étoile en disant que c'est le CTRI. Et raison pour laquelle nous appelons aujourd'hui Papa Oligui, que lui-même puisse venir sur les lieux, venir regarder ça. Nous sommes fatigués. Donc vous invitez quoi le président de la République à venir sur les lieux, oui. À s'enquérir de la situation un peu. Et savoir qu'il y a des familles quand même ici, voilà. Qui sont des guerpies. C'est ça. C'est ça qu'on veut. Mais est-ce que quand même,
qui est venu déguerpir? Est-ce que c'est le maire? Est-ce que c'est qui? Est-ce qu'on vous a quand même dit qui est venu déguerpir? Derrière ça, c'est qui? C'est l'inspecteur municipal de la mairie. C'est lui qui était là le jour là. Il s'appelle Monsieur Bon, on n'a pas besoin de son nom, maman, pardon. Voilà. Bon, on peut citer son nom, mais ce n'est pas très important. Parce que lui aussi, il doit recevoir les ordres peut-être de quelqu'un un peu en haut, en haut, en haut. Mais pourquoi ils nous ont demandé de d'écrire? Ils nous ont demandé d'écrire pourquoi? Revenons au fait. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que vous avez été recensé? Est-ce qu'on vous a envoyé quand même un émissaire qui est venu s'entretenir avec vous? Rien. Ça s'est passé comment? Ils sont arrivés un matin, ils ont parlé de la route. C'est la route qui doit faire la route. Qui doit sortir là-bas. Sortir là-bas où? Au pompier. Voilà. Apparemment, une personne, s'il vous plaît. Vous êtes apparemment la route ne sort pas. Ils ont mesuré, ils ont fait la première casse. Ouais. Ça n'a pas touché les maisons. Ouais. Ils sont revenus après, ils ont dit non, la route est petite, il faut qu'on ajoute 10 mètres. Ouais. C'est là les 10 mètres là que vous voyez le lundi 18 qui sont venus sans préavis, sans mesure d'accompagnement, sans un site, sans même dire où on va partir. On a posé la question à ces messieurs-là. Quand vous venez casser, les Libanais ont dit, nous on est venus parce qu'on nous a dit que vous avez déjà libéré les lieux. Alors que ils sont... Attends. Donc les Libanais sont venus, on les a dit que vous avez libéré les lieux. Oui. Mais quand ils sont arrivés, est-ce qu'ils ont constaté que les lieux étaient libérés? Non. Et ils ont fait quoi? Ils sont venus le samedi. Ouais. Ils ont constaté qu'on était là, c'est moi qu'ils avaient trouvé. J'étais assise là-bas avec ma soeur là. Ouais. Et on leur a dit, non, on est venu poser les machines parce que lundi, on va casser. On leur a dit, mais monsieur, comment vous venez poser les machines alors qu'il y a des gens à l'intérieur? Le Libanais a dit, là, je ne peux pas casser s'il y a des gens à l'intérieur. Il faut d'abord que vous terminez avec la mairie et après, nous, on reviendra pour casser. Ouais. À ma grande surprise, le samedi, quand ils sont partis, lundi, non, ils nous ont surpris le matin, 6h, 7h. Ils étaient donc, les Libanais sont les mêmes, c'est les mêmes Libanais ou d'autres Libanais? C'est les mêmes Libanais. Ils étaient au nombre de combien? Les Libanais sont 6. Oui. 6 Libanais. Oui. La première fois que nous sommes arrivés, ils étaient 6 Libanais. Oui, toujours les mêmes. Donc les mêmes là sont revenus. Oui. Ceux qui vous ont dit qu'ils ne peuvent pas casser si vous n'avez pas encore terminé avec la mairie. Oui. Donc les 6 là, quand ils sont revenus, ils ont cassé directement. Les 6 là, quand ils sont revenus, ils ont dit on est venu casser. Ils ont commencé à racler. Mais avec un agent de la mairie. Oui, avec un agent de la mairie qui est l'inspecteur et tout son staff. Donc l'inspecteur de la mairie, les Libanais étaient accompagnés de l'inspecteur de la mairie centrale. Oui. Voilà. Donc c'est lui qui les a donné l'ordre de casser ou quoi? Les enfants étaient dans les maisons. Lui-même, il est rentré. Il a dit réveillez-vous. Sortez. Il a dit que nous sommes des squatters. Les enfants étaient dans les maisons. Donc, il n'a même pas pris à tâche avec vous, essayer de parler un peu. On n'a rien parlé. Ils ne nous ont rien dit. Maintenant, le lundi, après la casse, là, mardi matin, quand j'arrive ici, je trouve le Libanais là-bas. Je dis, mais papa, vous nous avez cassé. Vous nous dites quoi? Le Libanais dit, ce n'est pas avec moi. Allez-y faire une liste à la mairie. Je dis, mais ce n'est pas normal. Oh non, c'est le CTRI qui nous a envoyé. Mais papa Olivier, on ne refuse pas que tu es venu pour arranger le pays. Mais arrange, faites les choses dans les normes. Maintenant, nous, on n'a pas de site. La moindre chose, c'est de trouver d'abord un site là où on devait aller, donner les mesures d'accompagnement pour que nous, on devait libérer leur terrain, leur place. Mais cette place-là, ici, c'était invivable. Personne ne pouvait habiter ici. Nous, on a travaillé, on a rangé. C'était une piste. Mais combien d'années aujourd'hui? 20 ans. Et ça fait pratiquement combien d'années? Ça fait 20 ans. Il y en a qui sont là depuis 20 ans. Allons-y de manière ordonnée, s'il vous plaît. Ça fait peut-être 10 fois que je vous dis ça. Je ne sais pas si toi, où tu es là, tu peux écouter 10 personnes à la fois. Non. Vous voulez véhiculer un message, soyez ordonné. Celui qui veut prendre la parole, puis il lève le doigt, on lui donne la parole, il dit deux mots, trois mots, et on avance. Parce que c'est un problème grave, là. Si vous parlez dans le désordre, on comprend que ça, c'est les embrouillés qui sont là. Vous voulez véhiculer un message, véhiculer le message proprement pour qu'on vous écoute. Vas-y, maman. Quand ils sont arrivés, ils ne nous ont rien dit. Comme aujourd'hui, on ne fait que réclamer. Nous, on ne demande pas quoi.
mais on ne peut pas nous chasser comme des malpropres. Ils nous ont menti. Ils ont dit que c'était la mairie. Mais aujourd'hui, on voit les Libanais qui sont sur le terrain. Ce monsieur-là, il travaille avec eux. Tout ça, là, ce sont leurs travailleurs. Mais ils sont là, l'enjeu. Les travailleurs de la mairie ou des Libanais? Nous, on voit les Libanais. Voilà, c'est des Gabonais. Nous, on voit ici, c'est les Libanais qui sont là. Vous voyez, là même, ils ne sont pas là parce que depuis le jour qu'ils ont commencé les travaux, même Dieu n'est pas content avec eux. Les machines sont tombées en panne. Parce que ça, là, vous ne pouvez pas faire pleurer les mamans. Les machines sont tombées en panne. Oui, comme tu veux, les machines sont tombées en panne. Voilà pourquoi vous ne les avez pas vues aujourd'hui ici. Parce que tout est en, c'est tombé comme ça, ça. Là, quel qui s'est renversé? Un camion s'est renversé. Oui, j'ai les vidéos. Ah, mais c'est ça. Vous avez les vidéos. Avec la terre à l'intérieur. Oui. Vous avez filmé. Oui. Comment envoyer ça, on va partager ça. D'accord. C'est pour vous dire que les esprits ne sont pas quand même d'accord. Voilà. Donc, en réalité, ce qui vous dérange, c'est quoi? C'est la manière. C'est la manière. C'est la manière. Et nous, ouais, c'est de nous trouver un site. Là où, ouais, on part avec nos enfants. Nous, on s'est toujours débrouillé. Ouais. On n'a pas demandé qu'on veut... le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Ouais. Mais on a investi, c'est le fruit de nos efforts. Oui. Personne ici, on n'a pas demandé à quelqu'un. C'est les mamans elles-mêmes qui ont construit ici. Chacun a fait ce qu'il pouvait faire. Mais on ne refuse pas. En réalité, on vous entend parler, c'est que l'État gabonais a tort. Parce que si l'État gabonais avait pris la peine d'urbaniser quand même les terrains et de vendre les terrains, oui, je pense que les Gabonais n'allaient pas squatter. Oui. Hein? Parce que chez les autres, quand même, on dit l'État avance en octroyant, par exemple, des terrains et tout, et les gens viennent acheter. Voilà. Mais ici, chez nous, on les d'abord les populations avancées, ouais, ils occupent d'abord, ils squattent là les endroits, ils nettoient pendant 20 ans, 25 ans, c'est bivac. Après, on vient, on demande, on chasse les gens, sans même un peu, un dialogue un peu plus ou moins. Après, ils disent que les Libanais font les choses bien, mieux que les Gabonais. C'est ce qu'ils nous ont dit. Qui vous a dit ça? L'inspecteur de la mairie. Donc, ils pensent qu'au Liban aussi, c'est... Les Libanais qui vont venir construire. Hein. Oui, mais ce sont eux qui sont là tous les jours. Chaque jour, on peut comprendre. Maintenant, ce qui est là à la mairie, on avait les toiles et les Libanais. Là, il est là tranquille chez lui. Alors, donc là, si je ne comprends pas bien, non, expliquez-moi. Donc, on vous a cassé ici, là, c'est parce que les Libanais veulent prendre cet endroit pour faire les box. Voilà. Est-ce que c'est l'information réelle ou c'est le Congo ça au quartier? Voilà, donc les Libanais nous ont dit que ça soit propre. Que ça soit propre. Mm. Et l'inspecteur vous a dit quoi? Les Libanais construisent. Les Libanais font mieux que les Gabonais. Donc on vous casse en tant que Gabonais pour venir mettre les Libanais, voilà, qui vont construire. Mm. Bon, ok. On sait quand même que le Gabonais, il est pauvre. Mm. On est démuni. On ne peut pas demander à un pauvre d'aller construire les immeubles. On sait que les Libanais reviennent du Liban avec l'argent sale et flou. C'est un peu ça. Nous, on est fâchés à cause de ça. Ce qu'on veut, c'est que Papa Oligui, tu as fait les choses, on ne refuse pas. Ils disent le CTRI, mais on sait que le CTRI ne peut pas venir faire les choses dans le désordre. Le CTRI ne travaille pas comme ça. Le CTRI devait avoir des mesures d'accompagnement. Et nous, c'est ce qu'on réclame. Rien d'autre. Un préavis au moins. Et en dehors de ça, on a adressé des courriers qui sont partis jusqu'au cabinet de l'inspecteur municipal de la mairie, là où on a demandé le préavis. En attendant, ils nous ont dit allez-y, ils nous ont donné des accusés de réception en disant que allez-y attendre. Attends, le temps qu'on attend là, ils nous ont dit le lundi qui vient de passer. Mais est-ce que entre temps, est-ce que vous avez quand même pris la peine de saisir quand même, parce que vous savez tout ce qui se passe au Gabon, parfois il y a des autorités qui ne sont pas informées. Est-ce que vous avez pris quand même la peine d'adresser un courrier au président de la République? Collectif. Au nom du collectif, soit au nom... Non. Pas au nom... Père. Non. Ah bon? Oui. Ok, mais il faut le faire quand même. Informer les autorités, que ce soit sur la mairie, que ce soit le ministère de l'Intérieur, les informer quand même qu'il y a des Gabonais, au nom des familles que vous êtes déguerpis, et que vous vivez à la belle étoile. Et qu'en réalité, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir quand même plus ou moins un abri. Oui. Et le reste, là, on pourrait quand même voir un peu. Mais, en premier lieu, oui. Ah, attends d'abord, le travail du Libanais va d'abord passer. Non, passer. Ah bon? À qui? Là, ce sont nos maisons que vous prenez là pour aller faire. Mais là, ce sont les maisons que vous prenez pour passer. Voilà, ce sont les Libanais. Voilà. Ça, ce sont les Libanais.
Ah bon? Oui, c'est dans ça, c'est dans nos maisons. On peut les mettre chez le Libanais en haut. Attends, là, ils vont rentrer chez le Libanais. C'est où? Allons-y un peu au bois. Allons-y. Allons-y. Oh, attends. Alors, donc le Libanais ne peut pas lâcher la terre, il ne peut pas la terre chez vous. On est dans la brouette là, un mi-chemin. Ouais. On amène ça au lieu sûr. Voilà. Alors, on veut filmer, ne filmez pas. Oh, le grand Alain Serge Oban, bonjour. Albert Menzi, bonjour. Voilà. Ah, on dit on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs, mais quand même, c'est des familles gabonaises qui en ce moment qui dorment à la belle étoile. Qui dorment à la belle étoile. Donc là, ils ont pris la terre là pour aller. Chers Libanais. Oui. Mais pourquoi on vous dégrève plus en tant que Gabonais et puis le Libanais, lui, il squatte? On ne sait pas. On ne sait pas le contrat qu'il a avec la maison. Donc cette histoire de Libanais là ne va jamais finir. Ah bon? Le Gabonais va rester toujours derrière. Mais est-ce que c'est possible qu'un Gabonais aille faire ça au Liban? Un Gabonais ne peut pas faire ça au Liban. Même un petit commerce, il n'y a pas. Voilà. Et si je demande à l'école, on te demande de donner la caution. Voilà, c'est là. On nous a chassés. Ouais. Donc il fait ça pour venir le premier jour. Mais ça, quoi? Ça, c'est pour le Libanais. Oui, c'est ça, là, c'est quoi? C'est le magasin. Mais là, c'est donc, vous voyez, briques là, ils sont en train de fermer les trous avec ça. Voilà. Là où il passe avec sa voiture. Maman, on n'a pas besoin de les filmer. Tu vois bien combien tu peux partir. Ils ont enlevé le bombe. Ils ont effacé. Ah bon? Ah bon, hein? Donc, ça, là, c'est le magasin d'un Libanais. Oui. Il s'appelle Ali. Oui. Voilà. Donc, dans le site de la mairie loge un Libanais. Voilà. Bon, là, on ne comprend pas. Il faut donc, voir les prix de vous dites que là, il a quoi les prix de quoi? Il font quoi? La sardine à 1000 francs. Donc, là aussi, c'était quoi? À déguerpir. Donc, là, c'était à démolir, c'est ça? Oui. Ils ont effacé. Ils ont effacé. Donc, là, on vous a délogé. Et là. C'est le Libanais qu'on a laissé là. Oui. Ok, d'accord. Mais c'est tout ça, c'est l'enceinte de la mairie. Oui. Donc on peut dire qu'il loue à la mairie. Ah. Voilà. Ok. Donc vous vous dormez en bas là. Oui. Voilà. Ici, en haut. Ici, ici aussi, il y a d'autres en haut. Donc. En haut, c'est. On veut parler où vous dormez. Oui. Hein? C'est un travailleur, c'est un travail avec eux. On s'en fout, tu sais que les Noirs ont toujours été esclaves comme ça. Voilà, on est dans un peu de droit, vous pouvez vous exprimer librement. Voilà. Voilà, expliquez. Voilà, c'est ça là. Voilà. Mais là, tout ça, c'est la mairie, non? Tout ça, c'est la mairie. Tout ça, c'est la mairie. Voilà. On n'a pas encore cassé ici. Voilà. On squatte un peu. On squatte ici. Non, on filme. On filme. Bon, il y a des choses dehors. Bon, il y a donc, c'est ça. Vous avez stocké ici les choses dehors. Donc en tant que collègue, vous avez préparé en famille. Ah, je vais manger le dernier morceau là. Ouais. Donc, bah, attends, moi je comprends pas. Donc tout ça là, c'est là où vous passez les journées. Oui. Oui. Avec les enfants comme ça. Oui. Après quand la. Dehors, hein. Oui. Donc quand la nuit. Oui. Donc quand la nuit tombe. C'est le parent en gros, c'est toi qui vas. C'est la place où aller dormir avec. La journée. La journée nous sommes tous là, mais la nuit. Si tu as une amie ou bien un frère quelque part qui te connaissait ou bien qui venait souvent te rendre visite, mais tu prends. Bon, une fois, moi, je n'ai plus rien. Tu pars avec ton foulard, tu dors le matin, tu laves le foulard, tu reviens ici ou on t'a cassé parce que moi, je n'ai pas. Donc, quand 18 heures sont réellement, vous êtes dans une question. Souris, oui.
Mais j'ai dit, mais le Libanais là, comment il avait pour s'enquérir de ces magasins? Non, on ne le connaît pas. Ça, ça, là, on ne connaît plus. On ne connaît pas. On ne connaît pas le contrat là-bas. Donc, il est dans le site de la mairie. Oui. Il est Libanais. Oui. Il a quand même un magasin. Oui. Et les Gabonais vont prendre les bons là-bas. Oh, et la boîte sardine, c'est 1000 francs. La boîte sardine, c'est quoi? C'est 1000 francs. La boîte sardine. Oui. Quoi, c'est VIP? Tu prends 1000, tu donnes le premier. Tu prends un prêt là-bas. Non, pas quand même, quand on fait, là, ça les nerfs là-bas. Attends. Ils sont là-bas prêts. Donc, il faut aussi les prêts. Oui. Et là, c'est quoi? C'est vous ou les agents de la mairie qui viennent? C'est pas moi, on ne connaît pas. C'est client. Il a ses clients, on ne sait pas si c'est les agents, si c'est les fonctionnaires, mais c'est les Gabonais. Les Gabonais. Ouais. Parce que si les Gabonais ne partaient pas vers lui, la force comme ça, agent, il ne devait il même pas être là. Oui. Tout ça là, c'est quoi? Ça, c'est quand même compliqué. Hein. Là-bas, tu rentres là, la boîte sardine, c'est 1000 francs, la boîte maguerelle, c'est 2000. Tu prends 10 000, tu nous rends 20 000. On tout est là, les casques des gens sont là-bas, ils s'enrichissent là. Nous, on est là. Hein? C'est pas normal. C'est pas normal. Oh. Nous, on est normal. Non, il n'est pas même bolo. Vraiment. Ouais, c'est le bon ce problème-là. Tu viens prendre un salon ici à 300 000, tu vas payer à 700 000. Bolo, c'est petit. Ah. Bolo, c'est petit. Ouais. Les grands placements chez lui, là, pour inciter les Gabonais, là. Il n'y a pas de. Wallahi. Il menace pas les Gabonais. Le Libanais là. Là où on est là. Il va nous chasser. Ça va faire un problème. Il va appeler ses chefs de la mairie, comme nous sommes des squatters. C'est les Gabonais comme nous qui vont venir nous déguerpir là bientôt. Là, si on ne nous trouve pas la solution, je ne sais pas où on va partir. Parce que là, déjà, il a déjà commencé. Peut-être qu'il est déjà venu la fin de l'année, mais dans la fin de l'année, il va nous dire arrêter. Monter plus, il est rentré plus. On ne sait pas s'il a payé tout ça, on ne connaît pas. Non, il a payé tout le Gabon. Ah. C'est quoi? On a dit on ne veut plus de ça. Papa Oligitcho est venu changer tout, il faut changer. Lui, là, on ne veut plus le voir ici. Voilà. Les autres, on a dit qu'on cassait tout le monde. Mais pourquoi? Les West Africains, c'est le kiosque qui a libéré les trottoirs. On a libéré les trottoirs, mais le kiosque s'en est là, tout ça, là, où les Gabonais sont partis. Il n'y a plus de Gabonais là, tout ça, c'est que les étrangers. Il n'y a plus de Gabonais ici qui font le commerce. C'était nous qui étions là, mais il n'y a plus. Tout ça là, ils sont restés. Mais pourtant, on dit libérer les trottoirs. Mais pourquoi nous, on part, on nous casse, on nous quitte. Et eux, ils sont restés. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nos bois, nos maisons, ça c'est l'injustice. Et maintenant là, ça, là ils vendent ça là-bas. Ils vont vendre ça. Ils vont vendre. Ils font les couper, les mamans qui font les gâteaux. Abus d'autorité. Si on avait une personne qui était ici, qui avait un titre gradé, ou c'était une personne qui était, je ne sais pas l'enfant de qui, on devait se le dire. Là, ils ont trouvé les pauvres femmes qui sont là. Qui n'ont pas de parents, on n'a pas la force, on a personne, obligé de s'en charger sur nous. Ils nous ont brutalisé ce jour-là. Ils ont amené, ils ont voulu arracher mon téléphone. Nous, on n'a pas le droit de pas les pompiers. Ils ont tourné la main à le bras. Là. Regarde, j'ai encore les bleus. J'ai mal au bras. J'ai le bleu là. Ils m'ont tourné le bras là. J'ai le bleu ici. Ils vont vous amener au bleu. Ils vont amener au bleu. Ils ont déchiré la robe. Quelle dame? Elle. Ils t'ont déchiré la robe. À cause de quoi? Si vous prenez dans les maisons, vous pouvez faire ça fait comme ça là. Vous tournez là. Le bras. Oui. Parce qu'elle filmait. Elle a amené les sapins pompiers ce jour-là pour vouloir nous déguerpir. Ils ont dit qu'on ne voulait pas partir. C'est le bœuf qui va vous amener tous au bœuf. On a perdu beaucoup de choses. Aujourd'hui, on n'a plus d'écran de télévision, on n'a plus rien. Vous savez, quand on vous fait déménager en catastrophe, nous, on a tout perdu. Tout. Les compteurs qui étaient collés. Les compteurs de courant, ils sont venus bousiller ça. Moi, j'avais un compteur de courant. Elle avait un compteur de courant. Tout est au sol. C'est la CRTG qui est venue découper ça. Voilà le compteur d'eau que j'ai pris ici. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas où se trouve le tuyau. Parce qu'ils sont venus casser vraiment avec beaucoup de rage et de haine et de la jalousie. Ou bien, si c'est quoi, on ne sait pas. Tu veux soulever comme ça, le pompier vient, il te soulève, il te met dehors. Jusqu'à moi, même la poisson qu'on avait mis dans le congélateur. Ce pompier-là. Oui, manger notre banane qu'ils ont dégagé avec les enchères. C'est souvent les génies militaires qui étaient sur le terrain.
Mais le Zika, ils amènent les pompiers. Les pompiers, ce ne sont pas les militaires. Ils sont venus nous influencer avec des fusils. Ils sont dit, B2, venez la faire sortir, faites-le sortir, B2. Comment on va mener les gens au B2? On a appuyé qui, on a fait quoi? On ne leur a pas brutalisé, on ne leur a pas insulté. Nous, on fait seulement qu'on y est là où on peut être avec nos enfants et puis on reste tranquille. C'est tout. Ce que nous on veut dire, c'est le seul message que nous on donne en ce moment, c'est que papa Olivier, regarde tes enfants, tu as des mères de famille ici, tu as des petites sœurs, regarde notre situation, aide-nous, nous sommes à la belle étoile, c'est tout ce que nous te demandons, aie pitié de nous. Tu es venu pour mettre les choses dans les normes, tu es là, c'est ça la transition, tu as dit que non, c'est la transition. Aujourd'hui, on veut accuser que c'est le CTRI. Le CTRI ne fait pas les choses comme ça. Le CTRI, ce n'est pas la violence. Le CTRI apporte l'amour. Tu es un homme de paix. Tu es un homme de paix, papa Olivier. Regarde tes enfants. Tu es un homme de dialogue. Tu es un grand homme. Tu es un père. Tu es un grand cœur. Aie pitié de tes mamans, de tes petites sœurs, de tes filles. Nous sommes à la belle étoile. Regardez comment nous dormons. Les enfants, mes petits frères qui vont à l'école. Lundi 2, ils vont aller à l'école. Tu nous as donné les trousseaux scolaires gratuits. Cette année-ci, nos parents n'ont pas payé la scolarité. Aujourd'hui, mes petits frères aujourd'hui ne vont pas aller à l'école lundi. Ne vont pas aller à l'école lundi. Parce qu'il n'y a plus de tenue. Tout est parti, englouti. Même moi qui parle, je n'ai plus de papier. Je suis à la belle étoile. C'est là, c'est comme ça que nous vivons. Tous les soirs, nous vivons là. Comme là, avec les enfants, regarde. Elle est là, les autres sont en train de jouer. Elle est là. Ça, c'est l'enfant de qui? C'est ça, elle est là le soir, on prend, on met le matelas, on dort. Donc, c'est les palettes là que vous étudiez, là, comme les lits. Vous mettez ça au sol, vous vous allongez et vous dormez. Quand il y a la pluie. On prend, on allume ça ici, on met les bougies. X, il veut me prendre, sois salué. On est obligé. Ça, on met les palettes là, on est obligé. Non, il y a le soleil. Il fait chaud. Là, vous êtes en train de regarder le soleil. Oui, hein? Voilà. Ouais, grand, bonjour. Voilà, il faut partager. Il faut commenter, il faut écrire. Quand il y a des questions, vous répondez aux questions parce que c'est vous qui connaissez plus ou moins la situation. Pour les enfants qui ont cette possibilité-là. Parce que c'est inacceptable quand même que l'on puisse déguerpir les Gabonais, même si vous avez construit illicitement. Mais on laisse quand même un Libanais occuper tout un bâtiment. Et en même temps, il a des prix vraiment exorbitants. Voilà. Et vous dites qu'il passe le temps à menacer les gens ici, là. Comme il est chez lui. Tout ça, vous avez filmé là. Ouais. Peut-être demain, il va nous arrêter. Ah bon, hein? On va venir nous arrêter dans nos. On va venir nous arrêter. Ils sont venus nous emmener comme il criait B2. Donc, lui criait B2. Ah. Donc, on doit vous déguerpir pour que lui puisse construire les magasins ou habiter dans les magasins. Puis, on trouve ça logique. Non, mais. Moi, j'ai filmé, non. Tu viens me prendre. Ils nous brutalisent comme ils nous ont brutalisés là. Peut-être même que c'est le coup là que j'avais reçu là qui m'a donné la fièvre. Là, j'ai encore le bleu là. En voulant venir aider les mamans, là, quand ils ont tourné cette maman-là le bras, ils ont tourné le bras. L'autre maman, ils ont déchiré la robe. Les deux, là, ils les ont serrés comme ça. Mais tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'elle est en train de filmer. Le jour de la casse, elle ne voulait pas le droit de filmer. Est-ce que vous êtes en train de les filmer ou vous êtes en train de filmer vos maisons qu'on cassait? Vos maisons qu'on cassait. J'ai filmé ma maison quand ça, la pelle là est rangée. Le monsieur sort là-bas, il dit non, donnez-moi votre téléphone. Ils sont allés chercher les gars, les pompiers pour venir. Ils ont appelé B2. Ils vont nous amener au B2, on va dormir là-bas. Ok, d'accord. Bon, la famille, vous avez quand même écouté le live après de une heure de temps. On va couper le live et on va faire autre chose. Bon, ceux qui ont pris Adair, toi, un ancien agent de la mairie, voilà comment on est traité. Bon, Boris Biban, tu dis quoi? C'est toi qui les as envoyés la vie. Ah, tu t'adresses à quelqu'un d'autre, hein? Ok, d'accord. Bon, les gars,
Ceux qui ont pris le live en cours peuvent regarder le live et partager le live. La force, c'est ça, quoi, c'est le partage. On va essayer de voir comment on va faire des petites vidéos.